Salam alaikum tout le monde, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi pour moi Riyad, Inch'Allah, Riyad Mahrez pourrait être Ballon d'Or africain 2021. Alors la première raison, à mon avis, pour moi, hein, c'est juste pour moi, c'est mon simple avis. Si numéro 1, il gagne la Ligue des Champions, numéro 1. En plus de ça, s'il gagne aussi le championnat, Inch'Allah, Inch'Allah, s'il gagne les deux, je pense que pour moi, il mériterait d'être Ballon d'Or africain 2021. Après, c'est mon simple avis. Après, c'est logique, parce que en fait, pour moi, c'est un trophée personnel. Normalement, c'est les statistiques qui comptent, mais apparemment, non. Parce qu'en fait, à un moment, Riyad a gagné le Ballon d'Or africain quand il était meilleur joueur de première ligue. Il avait des stats pas mal, mais Aubameyang, si je dis pas de bêtises, avait des meilleures stats que lui. Mais il a quand même gagné car il était meilleur joueur du championnat anglais, plus il a gagné le championnat. Bah, désolé, j'ai coupé le son de la vidéo, sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ça en attendant de parler, pour pas qu'il y ait rien, vous voyez. Bah, ça c'est un coup franc mythique, hein, vous vous rappelez, vous connaissez, ça fait plaisir. Voilà, c'était pour vous redire ça. À mon avis, après il peut être Ballon d'Or, mais à mon avis, voilà, ça c'est chaud pour être Ballon d'Or. Normal, pas africain, il faut vraiment qu'il gagne le championnat, plus là-bas, plus la Champions League, plus il finit meilleur buteur du championnat, et plus il finit meilleur buteur du Champions League, c'est quasiment impossible. Faut limite qu'il mette des triplés ou des quadruplés à chaque match. Donc ça, faut pas rêver. Mais le Ballon d'Or africain, il peut, Inch'Allah, l'avoir. S'il gagne la Ligue des Champions et la Première Ligue, je pense qu'il aura, Inch'Allah. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse qu'à la fin de la vidéo. Je vous dis salam alaikum, bonne journée, bon ramadan à tous ceux qui font le ramadan. Et j'espère que tout le monde va bien avec le Covid, votre famille, tout le monde va bien, Inch'Allah. Allez, à plus tard. Bonne soirée, au revoir.